Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener? Mais où ça? Alors, Monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux? Non. C'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant? Moi? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée? Non! Quelle traversée? Le grand voyage de l'âme en 4 ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le pays des morts dans une voiture de course? Ou alors sur un paquebot de luxe? Ou, si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express? C'est notre TGV super luxe. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en 4 minutes au lieu de 4 années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. Oui. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors, dans ce cas, vous pouvez m'accompagner? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Oh, j'ai pas l'intention de moisir ici. Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Manny, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler sitôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégote-t-il, ces types? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes à des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Grim Fandango, sur la version remaster en version PC. Il est sorti aussi sur PS4 et sur PS Vita. Donc là, je vous dis, je vous le fais sur la version PC. Donc une remasterisation en fait du jeu. Enfin, remasterisation qui est assez légère, tout compte fait, si on regarde bien de plus près. Donc pour un jeu qui est sorti quand même en 98-99, me semble-t-il. C'est une directive pour mission spéciale. À tous les agents, signé Dan Coppal, directeur général. Bon, les têtes de crâne, croisez les phalanges, on a du pain sur la planche. On a une intoxication de masse sur les bras. Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors, remuez un peu vos carcasses. Donc, à vos ordres, patron. Un jeu qui est façon point and click. Sur la version PC d'ailleurs, on peut utiliser un petit curseur, hein, on peut utiliser la souris, là je joue à la manette, avec une manette 360. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous allez dans les options... Voilà le dossier de Celso. Il ne méritait même pas la canne qu'on lui a filée. Quand vous allez dans les options, en fait, vous voyez en fait la manette PS4 en fait, qui est mise dans les options, ça fait assez bizarre. Je ne tiens pas à relire ces vieux dossiers. C'est assez surprenant. Ça me rendrait trop triste. Mais franchement, moi c'est un jeu que j'avais eu à l'époque, que j'avais acheté à l'époque, que j'ai encore en version boîte d'ailleurs. Et ce jeu, moi, à l'époque, m'avait super marqué aussi par le fait que... Ce jeu de cartes est un peu usé sur les bords. Moi aussi, remarqué, mais ça peut être un atout. À chaque fois qu'on utilisait quelque chose, qu'on voulait utiliser quelque chose, il nous disait « Je ne prends pas ça, je ne fais pas ça. » Je m'en souviens, à l'époque, à un pote, ça nous avait marqué à fond, parce que il faut savoir, ce jeu, en fait, a quand même pas mal de petits mécanismes, de petits puzzles à faire qui sont assez compliqués rendus à un moment. Au début de l'histoire, ça va, c'est assez facile. Mais après, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de choses qui vont se compliquer, qui vont se gâter. Il va y avoir énormément de textes, parce que le jeu est quand même pas mal basé sur l'humour noir.
La porte de Domino est fermée. Il a peur que je lui vole un de ses dossiers. Et on se retrouve. On se retrouve dans des situations assez cocasses, quoi. Et surtout qu'il y a une grosse galerie de personnages qui sont assez bien foutus. Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. Puis-je me servir de ta perforatrice ? Si ça te fait plaisir. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que le doublage est excellent, les musiques sont excellentes. Ça défoule un max, pas vrai ? On a ce petit côté graphique un peu à la Tim Burton aussi, qui est vraiment pas désagréable. Manny, tu vas louper la grande intox. Une intoxication ? Mais si, l'intoxication au gazpacho. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit. C'est où déjà cette intoxication ? Demande à ton chauffeur de te rencarder, bon sang. Il y a des messages pour moi ? À part celui sur l'intoxication. Oui. J'ai un seul message pour toi, Manny. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne prends pas tes messages. Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels sur mon poste. D'accord. Tu avais donc 4 messages pour moi. Vous verrez, il y a quand même pas mal de textes. J'aurais plus de travail si tu avais plus de clients. Donc la base du point and click, hein, forcément, et tout se joue sur les textes, bien sûr. Où sont-ils tous passés ? T'aurais oublié quel jour on est aujourd'hui ? Oh non, je me suis une fois de plus pointé un samedi. C'est la fête des morts ! Ils sont partis dans le monde des vivants pour voir leur famille. On devrait y être aussi. Pourquoi tu n'es pas dans ta famille aujourd'hui ? Quand le patron est là, je suis là aussi. Et toi, pourquoi tu restes ? Je n'ai personne à voir là-bas. Et tu ne veux pas laisser Domino seul ici ? Il pourrait en profiter. Domino est ici ? Il profite de l'intoxication pour te piquer ta prime. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment ? Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail ? Non, je veux juste savoir où est mon chauffeur. Tu veux que je le fasse appeler ? Oui. Alors t'as qu'à convaincre notre grippe sous en chef d'installer un système d'appel automatique. Te reste plus qu'à faire le numéro d'Allostop. Ils ont peut-être un démon en rab. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Oui, c'est ça. Montre-lui un peu qui tu es. Donc je vous disais, en fait, la version remaster, bon, est franchement un peu légère. On voit qu'il n'y a pas eu énormément de choses de faites. Hein. Il y a le réseau qui a été remonté, les musiques qui ont été remasterisées. Ils sont très très réussies, les musiques, d'ailleurs. Bah, comme les doublages, hein. Et en plus, comme je vous disais, ça fait un peu penser au monde de Tim Burton. Et quand vous entendez Manny, le personnage principal, parler, d'ailleurs, qui a la voix de Beetlejuice, du doubleur français de Beetlejuice, qui colle très très bien au personnage. Et vous verrez que les autres personnages sont pas en reste. Hein. Vraiment, on retrouve des voix assez connues, en fait, dans le monde du cinéma. Oh, je pourrais me blesser si j'essayais d'en décrocher une. Alors, dans les options aussi, on a une option où on peut mettre le jeu en 16/9. Moi, je l'ai laissé en 4 tiers parce qu'en fait, le mode 16/9 défend pas mal l'image. Je vous ferai voir ça juste après. Vous allez voir, on va découvrir un personnage assez cocasse. Mais... Hé, hey, qui ose fouiller dans mes affaires ? Excusez-moi, je ne m'attendais pas. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Je m'appelle Calavera. Manny Calavera. Moi, c'est Glottis. Les visiteurs sont rares par ici. J'ai un message pour un certain Calavera. Votre chauffeur a dit que Monsieur Hurley a dit qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Domino a renvoyé mon chauffeur chez lui? Ouais, c'est sympa, non? Glottis. C'est un nom allemand? Oh non! Mes racines ne sont pas sur cette terre. Je suis un esprit du pays des morts. On m'a donné un seul but, une seule spécialité, un seul désir. Conduire! Ou faire des vidanges et régler des allumages s'il n'y a rien d'autre à faire. Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh ! Ça m'en a tout l'air. Oui, on dirait. Tu veux bien remplacer mon chauffeur ? Moi ? Non. Désolé, impossible. Le règlement. Allez, Glottis, j'ai besoin de toi comme chauffeur. Non, impossible! Je suis trop gros.
Mais non, tu es juste comme il faut. Non, ils me l'ont assez répété tous. Je suis trop gros pour conduire. Tu n'es pas gros. C'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vrais pots de yaourt. Hé, ça me donne une idée. Je peux toujours bricoler la caisse. On vire un peu de tôle et le tour est joué. Ah, mais je ne suis pas autorisé à modifier les voitures sans un ordre de la direction. Je me ferai virer. Un ordre de mission, c'est ça? Ouais. Moi, si j'ai pas un mot signé du patron, tout ce que je peux bricoler, c'est le cendrier. Et encore. C'est justement mon créneau, faire signer les gens. J'irai bien tout de suite. Ouais, ces bagnoles sont trop petites. Tout est trop petit ici, de toute façon. Donc vous voyez en fait, faire signer cet ordre de mission. Le graphique a été refait un petit peu, enfin pas, non, le graphique n'a pas été refait en fait. La résolution a été augmentée pour que ça soit un petit peu moins précipité. D'ailleurs je vais vous faire voir le 16:9, vous allez voir comme ça déforme le personnage et vous allez voir c'est vraiment pas joli. On va aller dans les options. Ils ont refait aussi la jouabilité, c'est-à-dire qu'on peut jouer de l'ancienne façon ou de la nouvelle, c'est-à-dire de la nouvelle qui est vraiment bien adaptée je trouve, et l'ancienne qui est un peu la Resident Evil, si vous voulez, quand vous avancez en fait, vous appuyez vers le haut pour avancer, et ça se joue un petit peu comme Resident Evil, les premiers Resident Evil. Alors vous allez voir, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, j'ai dû me planter nos boutons. Alors on peut mettre aussi en écran 4 tiers juste avec des bandes noires. Vous voyez, déjà le personnage, vous voyez comme ça la grossit, ça étire l'image et du coup je trouve que ça fait moins joli. Et en plus du coup en plein écran, quand vous jouez en plein écran, en fait vous voyez un peu les défauts de l'image. Et vous allez voir quand on voit le personnage de près, c'est encore pire. Attendez, je vais essayer de trouver un plan où on voit bien le personnage et on va repasser en 4 tiers et vous allez voir la différence. C'est pour ça que j'ai laissé le jeu en 4 tiers moi. Ouais, par exemple là, vous voyez, on voit bien le personnage, donc là il fait un peu tassé, un peu gros. Et là je vais remettre en 4 tiers. Donc dans sa configuration d'origine. Vous voyez, c'est quand même nettement plus joli comme ça. Malgré qu'il y a ces bandes noires, enfin ces bandes sur les côtés. Maintenant il y a des petits décors qui sont dessus. Mais voilà, c'est quand même mieux comme ça, moi je trouve personnellement. Bon, je vais lui demander un ordre de signature. Oh Manny, reprends ton souffle et parle lentement. Tu vas y arriver ? Oh Manny, reprends ton... Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Coppal, Manny Calavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger. Désolé Manny, demain peut-être. Ce sera trop tard. Monsieur part en voyage peut-être. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Donc, comme je vous disais, le jeu est sorti en 98, en 99. Honnêtement, je me souviens plus de la date. Hein. Tout ce que je sais, c'est que le jeu n'avait pas spécialement fonctionné. Et j'espère qu'avec cette réédition, j'espère que le jeu va mieux fonctionner. Parce que comme ça, ça pourrait peut-être nous donner l'occasion de récupérer Day of the Tentacle, peut-être en remaster. Ce qui serait pas mal, parce que c'est un autre excellent jeu qui avait été fait par LucasArts à l'époque. Donc, ce jeu a été fait par Time Schiffer. C'est fermé. Et du coup, là, avec Double Fine, en fait, ils ont décidé de rééditer le jeu, quoi. Et honnêtement, j'espère qu'il aura le succès escompté, parce que c'est vraiment un jeu de qualité. Si vous aimez le point and click, franchement, il ne faut pas louper ce jeu, parce que vraiment, ce jeu est franchement magnifique. Moi, à l'époque, je m'étais régalé, même si c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un petit peu chauds. Mais bon, on arrive toujours à s'en sortir au bout d'un moment. Je ne veux pas me faire écraser. Et franchement, je ne devrais déjà pas être ici. Je me suis régalé. Il y a un humour noir dessus qui est pas mal, quoi. Donc, l'histoire, vous l'avez compris, en fait, hein, c'est Manny qui a un VRP, en fait, pour faire voyager les gens du purgatoire au paradis, et en fait selon la fortune qu'ils vont avoir, en fait ils vont pouvoir partir en train spécial, enfin voilà, en bus, voire à pied avec la canne comme le vieux qu'il a fait tout à l'heure, quoi. Comme je n'ai pas pu me rendre à la fête cette année, je crois que j'ai droit à un petit pan des meurtres. Et il est vrai que l'humour est toujours omniprésent, quoi, et l'histoire est vraiment 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 excellente, quoi. Et ce petit côté Tim Burton est vraiment sympa, quoi. Ça va pour toi les clowns? Eh, fiche le camp, m'entraîne. Savoir à quoi? À te tordre le cou, ça te va? Belle fête, hein? Ouais. Y'a du monde. Voilà que mon syndrome carpien osseux se réveille. Mais tu n'as pas de tendon.
Et toi, tu n'as pas de langue, et pourtant tu n'arrêtes pas de jacasser, non? Je peux venir dans ton stand? Je veux voir le défilé. Va voir ailleurs, ok? Tu me prends pour le portier ou quoi? Bang! Ah, un autre de crevé. Ah, ces doigts pleins d'os. Tu peux me montrer comment tu fais? Puisque tu débutes, le mieux est de commencer par le plus simple. C'est-à-dire? De l'air. J'aimerais bien de cela, s'il te plaît. Un ballon comme ça, ça marche. Tu peux me faire un chat? Regarde un peu ce que je sais faire. Je sais tout faire. Je peux faire des oiseaux, des amphibiens, des marins célèbres. Fais ton choix. D'accord, un chat. Pas de problème. Alors même si on peut penser en fait que la conversion du jeu est un peu une conversion de feignant quoi, moi je pense quand même que le jeu a vraiment sa place et je trouve que c'est une super idée d'avoir refait ce jeu parce que je pense que le grand public n'a pas vraiment connu ce jeu puisque comme je vous dis le jeu au niveau des ventes c'est un peu vautré quoi, et un peu beaucoup même d'ailleurs. Et du coup, plein de gens sont passés à côté de ce jeu. Après, c'est clair que le style point and click est vraiment peut-être pas donné à la portée de tout le monde, quoi. Mais vraiment, ça serait dommage de passer à côté, ça serait dommage de pas l'essayer. Alors, je sais pas s'il y a une version essai, je peux pas vous dire du tout. Mais en tout cas, je sais que moi, ce jeu, à l'époque, je m'étais régalé là, et là, en le revoyant, ça me donne envie de le refaire. Ça me tenterait bien de fouiller partout, mais je suis déjà en retard pour la grande intox. Pas le temps de fouiller, je devrais déjà être à l'intox à l'heure qu'il est. En plus, il l'a cadenassé. Il ne me fait pas confiance, c'est incroyable. On dirait que Don a programmé son micro pour répondre automatiquement aux appels. Donc là, il va falloir que je lui trouve une petite réponse là pour que je puisse avoir l'ordre que le mec devienne mon chauffeur. Je vais juste changer son message. Ah non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous? Je suis débordé! Et comme ça, il va falloir que je... Bon, voilà. Après, c'est quand même pas mal d'aller-retour et tout ça, mais bon, c'est un peu le but de ces jeux-là, quoi. Et tout est fait sur un ton d'humour et tout ça. Pour moi, ce jeu est vraiment digne dans la lignée des Monkey Island, Day of the Tentacle, enfin, tous les jeux qui avaient fait LucasArts comme ça à l'époque étaient vraiment, vraiment excellents, quoi. Et moi, ça me rappelle des vieux souvenirs, quoi. Et c'est vrai que le jeu est vraiment, vraiment bon, quoi. Et plus vous avancez, plus vous allez tomber sur des casse-têtes. Coucou. Des fois vraiment à vous rendre fou, mais c'est pas, on y prend plaisir, vraiment, on y prend vraiment, vraiment plaisir, quoi. Moi, je suis très, très heureux. Et d'ailleurs, je pense que tous les personnages de ce jeu, en fait, auraient pu être tirés sur une série animée. Et je suis sûr, ça aurait fait un carton, parce que vraiment, l'humour dedans est vraiment, vraiment excellent. Les personnages sont attachants. Et le design est absolument fabuleux, quoi. C'est quoi cet horrible grincement que tu fais? C'est mes chaussures. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Oh non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous? Je suis occupé! Excuse-le, Manny, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de force 3. Eva, tu m'épates. Je ne savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. Comme ça, non? Oui. On dit que le noir, ça amincit. Je conduis! Yopé! Je conduis! Ah,
irait beaucoup plus vite à pied. Ah, il aurait, je vais louper l'intoxication. Continue de me placer les os. Oui, j'aime vraiment beaucoup cette espèce de... C'est la peur de la mort qui fait de nous des monstres. De réalisation complètement décalée. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à des trucs de Monty Python. Là. Mais je trouve ça vraiment excellent, quoi. Et vous verriez les bonnes idées qu'il y a dans ce jeu, quoi. Bon, je peux pas vous dire, sinon je vais pas vous gâcher votre plaisir si jamais vous achetez le jeu. C'est un bal masqué ? Mais vraiment, ce jeu est superbe. Nous proposons plusieurs types de forfaits, si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher ou je peux me la couler douce. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide, si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh ouais, on abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbu. Waouh. Comme ça, vous serez bien au chaud, Monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, bah tout bien réfléchi, je prendrai la formule OC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne le permet pas. Mais vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes? Ce serait avec plaisir, Bruno, mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi empotés que toi qui travaillent pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul-de-jatte au 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie? Hey! Tu t'en prends maintenant, client? Tu sais que tu commences à me plaire, Manny? Si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport, dehors, compris? Je te vire! Au chop du garçon! Qu'est-ce que tu feras avec ton coaster kitsch et ton sourire Colgate? Je me le demande! Comment ça, je suis un rebut? Comment osez-vous? Non mais... Arrêtez! Ah! J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rôtie tombée du ciel. Il est temps d'agir. En tout cas, je peux vous assurer que ce jeu vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Au niveau du scénar, franchement, c'est excellent. Du texte, il y en a vraiment beaucoup. En plus, vraiment, si vous voulez discuter longtemps avec un des personnages, vous pouvez voir, ça peut durer très, très, très longtemps. En fait, Kropal n'est pas vraiment dans son bureau. Je connais tes intentions, mon mignon. Hein? Tu essayes de m'éloigner de mon bureau pour faire une guirlande avec mes trombones. Grandis un peu, mon chou. Je n'ai plus qu'à battre le pavé. Donc honnêtement, si vous cherchez un jeu avec un bon scénario, si les point and click vous font pas peur, si vous aimez l'humour, si vous aimez un peu l'univers un peu style Tim Burton, franchement, prenez ce jeu, vous allez pas regretter, vous allez pouvoir passer du temps dessus, et franchement, ce jeu est génial, quoi. Moi, je vous le conseille vraiment à tous, hein. Comme je vous dis, il est vrai qu'il y a certains moments, les puzzles sont assez ardus, quoi, mais vraiment, c'est toujours faisable, quoi. Au moins, avec le punching ball, tu ne lèves plus le coude. Hey, Manny, comment ça va? Alors, cette salmonellose, c'était comment? Disons que Sir Calabasa s'est découverte une passion inavouée. Pour les trains. C'était une bonne sœur? Sainte Vierge. Et tu lui as vendu un billet pour le 9 Express? Chou-chou, c'est parti! Et toi, ça a marché? C'est pas tes oignons, Hurley. T'as raison. Ce qui s'est passé entre Bruno et toi ne me regarde pas. Ouais, ça va être une petite compétition avec son collègue. On se retrouve dans les limbes. C'est sympa. Viens me voir plus souvent, vieux.
Et vous verrez, il y aura toute une histoire par-dessus, quoi, qui est vraiment, vraiment excellente, quoi. Hein, où on va passer de l'humour à des choses un petit peu plus sérieuses. Et vous verrez, franchement, c'est vraiment pas désagréable. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, quoi. Et, enfin, du moins à l'époque, quoi. Et donc, vu que le jeu n'a pas bougé, je l'apprécierai toujours maintenant. Surtout maintenant, j'ai un peu oublié comment ça se jouait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.